J'arrive. Merci de me retrouver une nouvelle fois sur Alpha 4 de Hello Neighbor. Aujourd'hui, on découvre des secrets. Oui, tout à fait. On est parti! Pour vous, ça fait sûrement longtemps qu'on n'a pas lancé le jeu. Pour moi, c'était hier, donc bon, c'est tout frais, c'est tout frais. Et je me demandais, à quoi servait cette clé? Alors oui, non, je vous vois venir, c'est pas la clé de ma maison. Penses-tu, j'y ai pensé? Alors je l'ai essayé partout. 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 Vraiment partout. Vraiment, vraiment, vraiment partout. Oh bordel, ça va être la forme aujourd'hui. Tout l'étage inférieur, on le connaît. Je l'ai visité 100 fois. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de comprendre pourquoi il y a... Pas de panique, pas de panique, pas de panique, pas de panique. On s'est simplement fait percuter par un train. Ça arrive à tout le monde. Nous sommes en vie. Tout va bien. Regardez. Je suis un lutteur. Rêve d'imbécilité, s'il vous plaît. Hop, hop. Non. Ah non, ça va. Non, nous planons. Nous planons. Planons tranquillement, paisiblement. Pablo, remonte, remonte, remonte. Ah, atterrissage parfait. Pablo, vas-tu sauter? Va te faire emplomber! Bah si tu te prends comme ça, je m'en tape les boobs, hein. Je me casse! Allez, salut! Ah, oups! Nous prenons des risques pour les abonnés. Nous sommes actuellement sur des rails suspendus dans le vide. Nous pouvons glisser à tout moment et mourir. Ça vaut bien un pouce bleu. Mettez-en un, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah! Mais pourquoi tu bouges plus? Le wagon est immobilisé au milieu de la voie. Ah, c'est fraudeur à la SNCF. Oh attends, 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 tu bouges pas. J'ai une petite idée qui va nous faire prendre de la hauteur. Tac, c'est le moment de vérité. Allez, on serre les fesses, on serre la brioche et on saute. Easy, easy. Encore une fois. Easy. Yes, we did it, bitch. Et maintenant, on ne peut plus aller plus haut. Voilà, on est sur le toit de la maison qui... On domine le monde. On domine la région, la ville, le village, la rue, son jardin. Je suis le maître du jardin! Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on vit dans un patelin paumé avec trois vaches qui se battent en duel, là. Art contemporain. Ville ultra polluée. Bouh la pollution! Usine qui pollue la ville ultra polluée. La maison de Son Goku. À vous qui a pensé. Sur le toit, concrètement, qu'est-ce qu'on a? Une trappe. Un mécanisme fort étrange, composé de rouages, c'est une dinguerie. C'est chelou d'avoir cherché choix. Et si on balançait un objet dedans, est-ce que ça exploserait? Hop. Nope. Mais c'est tout cassé maintenant. Je me demande bien ce que ça faisait fonctionner. Qu'est-ce que ça passe ici? Bof, sûrement rien du tout. Là, juste là, regardez. Il y a une ouverture. On y va. Eh, on y va. Géronimo! Oui, ça passe! Ah, ça passe! On découvre un tas de choses aujourd'hui, c'est indécent. Le cadenas rouge, sans déconner. Tain, ça fait... Ça fait 1h37 que je cherche. J'avais fini par laisser tomber, hein, je vous le dis tout de suite. Que caches-tu dans ta cave, dans ta caravane? Montre-moi. Montre. Moi. Hé! Hey, je suis des Kiki! Non! Oh mon dieu, tout est géant ici! Tout est géant ici. C'est un très grand placard pour ranger moult choses. J'ai l'impression qu'on joue à Little Nightmares en vue à la première personne. C'est démesuré. Qu'est-ce que vous dites? Je comprends pas. Je vais t'apprendre un truc quand même. C'est pas que tu chuchotes que tout de suite ça rend l'ambiance effrayante. Je chuchote n'importe quoi près de mon micro parce que ça joue sur une immersion horrifique.
Il va nous falloir grimper sans discontinuer. De plus en plus haut, même si t'as mal au dos, il va nous falloir grimper. Qui vient de me balancer un pot de confiture bonne maman? T'as pas de respect pour les mamans! Et une boîte de thon! Quelqu'un me vise délibérément. Quelqu'un veut ma mort. C'est facile, je mesure 5 cm. Ah, je te vois. Je te vois cligner des yeux dans le noir. Ouais, c'est bon, j'en ai ras la schneck. On va monter, on va sweeter. Ça va finir en bastonnade. Oui, monsieur, on plaisante pas avec l'individu. Hop! Yes! Ok, d'accord. Alors, ne tombe pas, Roberto. Je sais, ça fait haut. Mais arrête! Mais c'est Jean-Louis en fin de soirée! Il sait plus s'arrêter! Quel farceur, ce Jean-Louis! Hop! Allô, Jacqueline, nous avons un problème! La route est bloquée par deux boîtes de thon! Le petit Carole le tombe bien de chez nous! Peut pousser, sauter, pousser, sauter, tomber... Non! Mais non! Mais j'ai grimpé haut, quand même! Ah, évidemment, évidemment! Maintenant, j'arrive plus à grimper! Bien, bien, bien... Pousse maintenant! Pousse. Mais pousse! Mais non! J'en ai marre! Je suis bloquée. Je suis bloquée. Je suis bloquée. Il y a trop de moutarde! Mais c'est quoi ce bordel? Arrête de m'envoyer des trucs! Je peux plus avancer! Mais pourquoi? Je ne comprends pas! Et il n'y avait rien à comprendre. 30 minutes supplémentaires ont été nécessaires pour m'inculquer un fait essentiel. Les boîtes de thon qui entravaient mon chemin n'auraient jamais dû être là. J'ai donc réinitialisé la salle et je me suis précipitée sur la suite de l'aventure. Un grille-pain géant. Ah, nice, on va se faire toaster. Le toaster nous fit faire un bond incroyable et au terme d'une cascade qui a failli nous coûter la vie, nous voilà à la moitié du chemin. Avançons avec calme et sérénité. Ah, des fléchettes. Oh, j'aime ça, je like. Oh, je t'avais pas vu, toi. C'est toi qui m'envoies des objets? Bouge pas, bouge pas. J'arrive, je vais te faire les fesses. Oui, 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 oui. Oh, 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 oh! J'en ai marre. Il m'a fallu 37 heures. Non, en vrai, j'ai pas compté. Mais pour être franche avec vous, j'ai galéré. Oh que oui, j'ai galéré pour remonter. Alors évidemment, moi, je vous ai fait un petit cut pour éviter que ça ne dure trop longtemps. Mais tout ça parce que je n'avais pas saisi qu'il fallait en fait embarquer sur un avion en papier. Trou du cul! Vous êtes bien à bord du Boeing 737, je suis votre commandante de bord, le ciel est dégagé, et si vous vous penchez vers la gauche, vous pouvez apercevoir ma dignité, gisant parmi les débris. Coucou dignité! Je suis cependant en regret de vous informer que notre avion va bientôt se crasher, et que je serai la seule survivante de l'accident. Hop! Parce que moi, je peux sauter, et pas vous! Oh! N'oubliez pas que les gilets de sauvetage se trouvent de chaque côté de l'appareil. Bonne chance! Après moult péripéties, nous voilà enfin face à face. Et comme prévu, t'as une sale gueule. Mon dieu, mais quelle horreur! Mais qu'est-ce que tu es? Tu files carrément la frousse, mec. Et tout ça, je vous le rappelle, c'est dans un placard. Oui, tu m'as l'air machiavélique et très 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 grand. Et tout nu. Bon, ça c'est un choix perso, après je juge pas. Le mystère qui plane autour du voisin s'épaissit avec cette créature terrifiante qui n'est pas très bavarde. Ok, alors à ce stade on ne peut plus monter, donc c'est terminé. Notre traversée se stopperait ici. Dommage. Je vois pas d'autre solution par contre, hein. C'est fini. À moins qu'on fasse les fous et on tente la fenêtre. On la tente. C'est le jump de la dernière chance. Go. Une lumière éblouissante, le silence. On est redevenu grand. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Rien, sérieusement. Et on va ressortir comme une fleur. Comme une putain de fleur. Ah, c'est ça, ouais. Ok, d'accord, ouais, c'est ça, ouais. Ouais! 3 heures de tournage. Par la suite, j'ai fouillé chaque centimètre carré de la maison. Et avec de l'acharnement, j'ai fini par trouver... des objets collés au mur, comme c'est original. Oui, non, 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 pas ça, ça, on s'en balèque. Non, ce que j'ai trouvé défie l'imagination la plus fertile. Il s'agit en fait de... la clé verte. On m'a filé une rouge et maintenant c'est une verte. Je m'en sortirai jamais. Mais par chance, j'avais déjà repéré l'emplacement du cadenas. Graine de sésame, ouvre-toi et offre-nous un monde rempli de merveilles s'il te plaît, merci. Qu'est-ce que... Ah! J'avais dit de merveilles, c'était quoi ça? Je sais pas, je sais pas. Ah! Mais ça s'enchaîne en plus. Mais mon gars, t'as ça chez toi? C'est quoi le projet? J'aime pas. C'est un putain de jeu d'horreur ce truc. Chat perché, vous mourrez pas, tralala. Ah bah si. Yeah, pousse, pousse, j'ai dit pousse. Ah, c'est l'heure d'aller en cours. Allez Kevin, c'est bien mon garçon. Progresser lentement de casier en casier, il nous laisse tranquille quand on est caché. Ça fait alien isolation.
Outlast même d'ailleurs. Ça sonne. Ok, on y va. Go 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 go. J'ai l'impression de jouer ma vie. Je joue ma vie. Il y a des obstacles partout. Ils sont derrière mon anus. Pourquoi ils empilent des tables, c'est con. Ça me coupe la route. Oh là là. Oh, la sortie. Je la vois. C'est fini. Ok, c'est tout. On sort comme une marguerite. Ok, retour à la porte blindée. Je suis morte comme une grosse abrutie l'autre fois en voulant sauter. Bon bah, saute la dernière chance. Ici, ça foire, je coupe la vidéo. Ah, dude. On avait le double saut. On peut sauter deux fois d'affilée. Sérieux. Mais c'est trop... Enfin, c'est trop con. Mais je savais pas. Ah, je suis trop contente. Ah, je suis joisse. Ah. Oh, Pablo. Non. Non. Saute, Roberto. Saute. C'est vraiment un boulet, ce mec. Bah, chers téléspectateurs, nous sommes en direct aujourd'hui et ce qui va suivre est édifiant. Je vous laisse savourer ces quelques images. Enfin, déjà, ça fait 4 heures que je tourne cette vidéo. Je vais kiffer le montage, mais de ouf. Comme d'habitude, si t'as aimé, tu peux laisser un petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, c'est un ordre. Et en attendant la prochaine vidéo, à toutes et à tous, je vous fais de gros bisous. Bye bye.